Bonsoir à toutes et à tous. Salut Pierrot. Euh, salut Redek. Euh, salut à toutes et à tous. Euh, on est super content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le cinquième épisode de la troisième saison du Arte Book Club. Alors au cours de cette troisième saison, comme vous le savez, on parle avec vous d'un livre par mois. Euh, en tout, on, a parlé, on aura parlé de six livres. Parce que en décembre, le mois prochain, eh bien, ce sera déjà le dernier épisode du Arte Book Club de cette troisième saison, et pour l'occasion, on parlera d'un roman formidable qui s'appelle « La cloche de détresse » de l'immense poétesse américaine Sylvia Plath, et qui est une sorte d'ouvrage initiatique d'une jeune fille dans l'Amérique des années 50, celle de, de Mad Men et de West, et de West Side Story. Euh, mais aujourd'hui, nous restons de ce côté de l'Atlantique et nous parlons de « l'amie prodigieuse », le beau roman napolitain d'Elena Ferrante euh, qui raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui tentent de rester sœurs alors même que la vie les éloigne. Euh, bonsoir Zacharia, quelle joie, quelle joie de vous revoir. Euh, on a publié une petite analyse il y a 15 jours sur la chaîne d'Arte. Euh, on vous invite chaleureusement à aller la voir pour celles et ceux qui l'ont pas vue. Euh, et pour celles et ceux qui l'ont vue, eh bien, euh, on serait curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Euh, on a déjà reçu euh, beaucoup de, de bons retours, mais, mais néanmoins, on serait content d'avoir votre avis. Alors, ben pour rentrer dans le vif du sujet, euh, Redek va euh, nous présenter rapidement le livre. Alors, l'ami prodigieuse, euh, c'est peut-être le livre de ce book club que j'ai le préféré. Parce qu'il m'a emporté et qu'il avait cette fin euh, qui avait la puissance des fins réussir. J'en ai déjà parlé dans la vidéo, mmh. mais il y a ce côté à la fois inattendu et nécessaire qui m'a vraiment touché, qui a fait quand j'ai terminé le livre, j'ai couru partout dans l'appartement en criant c'est génial, c'est génial <laughs> Mes voisins m'ont détesté. Et donc voilà, dès le début, passer les premières pages un petit peu poussives, en tout cas euh, en français, parce que voilà, la, narrat la narratrice, elle nous raconte euh, les débuts de son amitié avec une enfant pas comme les autres. Intelligente, manipulatrice, forte, cruelle, géniale. Bref, dès le début, c'est compliqué, et le lien qui se tisse entre les deux filles nous passionne, comme il passionne l'autrice, qui va décrire peu à peu l'évolution de cette relation jusqu'au mariage de l'une des deux amies. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce livre, c'est que ça sent la vie. Les personnages, c'est pas des fiches. Leur relation d'amitié, elle est constamment mise à l'épreuve par la violence d'une société napolitaine guidée par une hégémonie masculine absolument destructrice. Les hommes bataillent pour acquérir le plus de pouvoir possible, et il faut composer avec ça. Finalement, c'est un des fils les plus évidents de cette histoire la tentative de deux filles de juste vivre leur amitié quand tout les en empêche. Oui, c'est clair. Et c'est pas facile. Euh, pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui n'ont pas lu euh, L'Amie Prodigieuse euh, encore, eh bien, on vous a préparé un court résumé en vidéo que vous pouvez regarder et comme ça vous saurez un petit peu de quoi il retourne pour suivre la conversation. L'Amie Prodigieuse, paru en 2014 chez Gallimard, est le quatrième roman de la romancière italienne Elena Ferrante. En tout cas, c'est le quatrième roman qu'elle publie sous ce pseudonyme. Car en réalité, on ne sait pas qui est Elena Ferrante. Ce qu'on sait, c'est que la nuit prodigieuse est une histoire d'amitié. La première partie d'une saga en quatre tomes. Un récit d'inspiration autobiographique dont la narratrice s'appelle Elena. Elena, 66 ans, décide de se pencher sur ses souvenirs d'enfance. De retracer l'histoire qu'il a lue, elle, Elena Greco, dite Lenucha, dite Lenou, à Raffaella Cherulo, dite Lina mais qu'elle appelle Lina. De l'histoire de poupée qui marque le début de leur amitié, jusqu'au mariage de Lila, en passant par des affaires de dettes, de latin, de réputation et de chaussures, le roman nous immerge dans un quartier pauvre du Naples des années 50. Ce quartier, c'est l'horizon des deux jeunes filles. Il abrite leur famille, ainsi que les Caracci, les Peluso, les Capuccio, les Saratore, les Scano, les Solara, etc. Ils constituent leur monde tout entier, un cadre protecteur, mais aussi une barrière que certains voudraient infranchissable. Alors, pour en parler euh, avec nous aujourd'hui, eh on accueille deux femmes qui ont chacune un certain regard sur ce livre. Euh, alors, elles vont arriver d'un instant à l'autre. Euh, bonjour. Euh, Bonsoir. Alors, Victoire Tuaillon. Euh, eh bien, il y a sûrement un bon nombre de spectateurs et de spectatrices euh, qui connaissent déjà ta voix, euh, puisque tu tiens euh, les deux podcasts à succès euh, qui s'appellent Les couilles sur la table et plus récemment Le cœur sur la table, euh, où tu invites des personnes de tous horizons pour discuter euh, de féminisme et d'un tas d'autres choses euh, encore. Et sûrement, tu as été très accroché par le parcours amical et amoureux de Lila et d'Hélène, euh, j'imagine. Bah, tout à fait. En fait, euh, « L'ami prodigieuse » est l'un des, des, des romans euh, les plus importants pour moi. Et j'en garde un souvenir euh, euh, ébloui de chacun des quatre tomes de la saga, mais du premier en particulier. On a trois d'en parle avec toi. Et nous recevons également Ilaria Moretti. Bonsoir Ilaria. Tu as fait une Bonsoir. thèse de philosophie de la narration sur la question de l'identité d'Elena Ferrante. Alors, pas sur son identité comme ça, sur la construction de son identité dans le texte et comment elle raconte son identité d'autrice cachée à travers la construction de ses personnages féminins. Donc tout ça, c'est particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui, justement parce que dans L'Amie prodigieuse, la narratrice s'appelle justement Elena. Bienvenue. Merci, merci à vous et je suis très contente de pouvoir en discuter avec vous tous. Bah, nous aussi, carrément. Euh, alors, donc, euh, euh, Victoire, en préparant cette émission, tu nous avais dit que, euh, donc justement, tu avais découvert l'ami prodigieuse euh, à sa sortie, il y a quelques années, euh, c'était en 2014, que la traduction française apparut, en 2011, pour l'édition originale, euh, et que donc, tu en avais gardé un vif souvenir. Euh, est-ce en le relisant aujourd'hui, à l'occasion de ce Book Club, euh, est-ce que ton souvenir était un peu raccord avec cette première lecture euh, Ou est-ce que les années que tu as vécu entre-temps, t'ont rendu plus sensible à tel ou tel aspect du livre Non, non, euh, en fait, euh, je, donc je, je me souviens, euh, parce qu'à l'époque, je travaillais pour une émission littéraire, et, et je me souviens qu'on on était, j'avais plusieurs amis qui étaient aussi journalistes littéraires qui travaillaient dans ce domaine-là, et on était folle d'excitation, en fait, de ça. On trouvait que c'était un roman grandiose, incroyable, magnifique. C'était euh, des années avant Me c'était encore un peu... Il y avait une, une, un certain regain d'intérêt pour le féminisme, enfin rien à voir avec euh, ce qui se fait aujourd'hui. Et en fait, je me souviens de ce roman qui arrive, comme euh, on se disait qu'on avait, on avait l'impression qu'on n'avait jamais parlé de nos amitiés comme ça, qu'on n'avait jamais autant pris au sérieux euh, l'amitié féminine. Et donc, on voulait que tout le monde le lise. On en parlait tout le temps. On était obsédés euh, par ce roman-là. On attendait les traductions des romans suivants avec euh, une grande impatience. Et là, de le relire. Euh, non, pour moi, le souvenir était, était le bon. C'est une écriture qui est, qui est éblouissante, qui est très subtile. C'est une analyse des sentiments euh, rares. Et en fait, c'est une, une grande expérience littéraire au sens où c'est pas tellement l'histoire qui compte aussi, c'est la façon dont, dont les sentiments sont décrits, dont les micro-interactions sont décrites dans la, la relation. Ce qui en fait, c'est un roman qu'on ne lit pas pour l'histoire, c'est un roman qu'on lit pour, pour sa langue aussi magnifique, parce que ça nous permet de nous-mêmes beaucoup mieux comprendre nos amitiés. Donc, euh, non, non, ça n'a fait qu'enrichir qu mon, mon souvenir. Je conseille toujours ce roman, je trouve que c'est extraordinaire, même à des personnes qui n'aiment pas lire. Est-ce que tu en conseilles la relecture Et j'en conseille aussi la relecture, oui, oui, bien sûr. D'accord. Mais donc, euh, toi, Victoire, euh, ce roman-là, finalement, tu l'as découvert il y a longtemps, relu maintenant. C'est pas du tout, toi, l'expérience que tu en as, Hilaria, dans la mesure où toi, tu connais l'œuvre sur le bout des doigts. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en fait qu'est-ce a fait qu'est-ce qui t'a fait te passionner pour ce livre-là Alors, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec Victoire. Pour moi, ça a été vraiment une expérience de lecture très particulière, euh, due certainement à l'écriture, à cet élan narratif que pour moi. Était un peu nouveau, en considérant surtout la littérature italienne contemporaine. Euh, mais surtout, ça a été aussi une découverte parce que, au-delà des personnages euh, dont on va sûrement parler, euh, je me suis rendu compte que Ferrante n'est pas que de la littérature euh, comme ça qu'on peut trouver dans les gares. Euh, euh, dans les kiosques, parce que souvent les détracteurs disent ça, eh bien, il y a toute un, tout un, une stratification, je dirais, d'autres voix, d'autres écrivaines, surtout euh, des voix des femmes, bien évidemment, mais euh, euh, on se rend compte qu'elle reçoit un héritage important. Et qu'on peut trouver plein de connexions avec d'autres auteurs, de littérature contemporaine italienne bien sûr, mais aussi de littérature française. Je pense à Simon de Beauvoir, je pense à Duras, euh, et je pense bien évidemment aussi à Jean-Paul Sartre, parce que la fameuse question de la délimitation. Euh, qu'en italien, on dit, Smarginatura est tout à fait en lien avec euh, la philosophie existentialiste. Donc, euh, j'essaie aussi de démontrer dans ma thèse quels liens peuvent exister entre les idées de Ferranze et la sensation de la nausée ou euh, des parties de l'être le néant, surtout où le sujet se sent regardé par l'autre. Et on se rend compte que c'est toute la réflexion des Lila, finalement, qui est dedans. Oui, puisqu'effectivement, le livre est uniquement écrit du point de vue de, de, de Elena Greco, de la narratrice. Euh, et, et Lila n'apparaît uniquement euh, que dans le prisme justement de cette écriture-là et de ce récit-là. Euh, on a très peu accès aux choses que elle même a écrites. Il y a même plusieurs moments où justement la, la narratrice est en train de lire euh, un texte que Lila a écrit, euh, mais elle ne fait que de parler de ce que ce, de cette lecture lui cause, mais on n'a pas accès au, au, au texte brut, quoi. Donc il y a uniquement effectivement que un regard sur l'autre et du coup un peu tout ce que ce regard peut apporter de, de, de vérité et parfois de d'impuissance, quoi. Et, et... Mais, mais alors du coup, donc il y a des choses euh, qui dans l'œuvre d'Elena Ferrante euh, la, la rapproche de d'autres auteurs et autrices, euh, mais il y a aussi des choses qui la singularisent quand même. Euh, et où là justement quand on en discutait. Euh, Victoire, tu nous disais qu'il euh, y a quand même une chose majeure dans ce livre qui n'attire pas, enfin, pas tellement l'attention, euh, tellement c'est naturel, mais en fait quand on y pense deux secondes, c'est effectivement vraiment nouveau, euh, c'est que euh, c'est le récit d'une amitié entre deux femmes. Et, et alors ça, pourquoi est-ce que c'est si rare euh, et, et en quoi est-ce que donc ça rend ce livre-là euh, si singulier voilà, bon bon, pourquoi est-ce que c'est si rare bah, Déjà, euh, bon, il faut rappeler une évidence, euh, que même si les femmes ont toujours écrit, qu'elles ont toujours publié, etc., leurs œuvres ont été euh, effacées, comme le montre très bien là, récemment euh, Titou Lecoq dans son livre euh, Les grandes oubliées. Euh, en fait, on, le canon de la littérature, celui qui est transmis, est d'abord une littérature euh, masculine. Et les hommes, ça ne les intéressait pas, euh, les relations entre les femmes. En fait, il portait quand, quand il y a des personnages masculins, et ben il leur euh, féminins, il leur applique ce fameux male gaze. Donc en fait, il y a très peu de personnages féminins vraiment intéressants. Et là, dans la littérature classique, je veux dire euh, masculine, traditionnelle et tout, c même si j'adore. Hein, enfin vraiment, j'ai grandi en lisant les classiques de la littérature française et tout ça. Bon. mais ça, ça intéressait voilà il y avait des personnages féminins dont on étudiait leur relation avec des hommes je pense je sais pas l'exemple typique c'est Madame Bovary voilà elle n'a pas d'autres femmes en fait à qui parler il y a aucune bon. euh, et donc ce qui est très rare et je pense que ce qui a ce qui a frappé c'est qu'effectivement, Elena Ferrante prend très très au sérieux cette relation d'amitié et en fait il y a plein de mecs là-dedans mais ce n'est pas tellement eux qui sont importants la vraie passion de d'Elena c'est son amie Lila et D'ailleurs, ça a beaucoup à voir avec l'amour. Hein. Enfin, on parle tout le temps d'amitié. Bon, Peut-être qu'elles ne couchent pas ensemble, mais c'est la plus grande histoire d'amour de leur vie, j'ai l'impression, quand même. Euh, et donc, c'est assez rare parce que c'est vrai qu'en y repensant, là, quand on discutait tous les quatre de ce roman, je me disais, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu avant des romans qui prenaient autant au sérieux cette question de l'amitié féminine. En fait, bon, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, si, quand même. Par exemple, avant L'Amie prodigieuse, j'avais lu ce grand classique féministe qui est peu lu parce qu'il est très volumineux, mais c'est Le carnet d'or de Doris Lessing, euh, mmh, mmh. qui est un livre génial, in incomparable, avec une construction extrêmement étrange, plein de, de, de qui se trouve de, pareil dans le contexte de l'Angleterre et du, et du militantisme communiste en Angleterre dans les années 50. Donc c'est un peu chelou, mais bon, voilà, il y a cette relation entre Anna et Molly qui est aussi au centre euh, du carnet d'or. Euh, et puis plus récemment, bien sûr, évidemment, avec euh, le... le ce besoin-là impérieux de nouveaux récits qu'on sentait confusément mais qui n'étaient pas exactement nommés, il bah, y a eu de plus en plus euh, quand même de romans qui ont décidé de prendre très au sérieux les personnages féminins et leurs relations avec d'autres femmes. Je pense que la littérature commence à appliquer aussi le test de Bechdel à sa propre euh, à, à, à son domaine. Donc, le test de Bechdel, je le rappelle, c'est ce, ce test euh, inventé par la, la BDS euh, Alison Bechdel qui dit, euh, voilà, pour savoir si euh, le film passe le test de Bechdel, il faut se demander s'il y a deux personnages féminins qui ont un nom, qui ont une conversation entre elles et si cette conversation porte sur autre chose qu'un homme. En fait, ça peut aussi s'appliquer à la littérature et quand on regarde, il y a plein de classiques de la littérature qui ne passent pas ce test ou très peu, ou disons que les conversations entre les femmes sont complètement anecdotiques ou alors d'accord, enfin bref. Et maintenant, on a des romans là-dessus, mais c'est vrai que c'était assez rare et je pense que c'est ce qui explique aussi le succès de, de ce roman-là, c'est qu'en fait dans nos vies, dans la vie des femmes, la relation qu'elles ont avec leurs amis est extrêmement importante, voire beaucoup plus importante que la relation qu'elles ont avec des hommes ou avec leurs enfants. Oui, tout à fait. Alors avec avec l'idée que donc ce, ce, ce test là, je ne sais pas si les, les spectateurs et spectatrices en ont déjà entendu parler. Euh, disons que ce c'est pas un test de la comment dire de la de la qualité littéraire de d'une œuvre. C'est mmh. pas parce qu'une œuvre le passe ou ne le passe pas que c'est c'est de la enfin, comment dire -ce que le livre est pas intéressant. Mais néanmoins c'est pour prendre effectivement. Euh, la mesure de la quantité d'histoires qui racontent des choses qui sont finalement un peu similaires et de la quantité d'histoires qui pourraient être racontées et qui, et, qui, et qui ne sont pas du tout euh, racontées. Il y avait un autre exemple euh, auquel on a pensé euh, en préparant l'émission, c'est le livre Soula de Toni Morrison, euh, où là aussi il y a un peu une. Euh, comment dire, Toni Morrison, qui est donc une, une autrice euh, noire euh, états-unienne, euh, qui a reçu le prix Nobel de littérature d'ailleurs, il, il y a quand même peut-être une bonne vingtaine ouais. d'années ouais. et, euh, et où là aussi c'est une relation d'amitié un peu euh, comment dire euh, un peu dense quoi euh, si je peux dire euh, et on vous conseille vivement de à, à tous et à toutes d'aller y jeter un œil quand même oui, oui elle l'a fait assez que... tôt en plus c'est son deuxième roman je crois ah oui ouais. c'est mmh. marrant parce que c'est un lieu commun euh, pour les auteurs de dire que tout a été écrit mais en fait on se rend compte qu'il y a la moitié de la littérature finalement qui n'a pas été écrite <laughs> Oui, ouais. c'est vrai, bien sûr. Euh, euh, et d'ailleurs, même quand. Parce qu'en fait, finalement, ce regard-là, tu parles de, de, de male gaze, et donc finalement, ici, ce dont on parlait dans la vidéo de, du pendant, on va dire, à savoir le female gaze. Donc voilà, ce regard qui n'est pas uniquement un regard pensé par un homme ou surtout dans un, un, un univers de pensée masculin. Et, euh, et finalement, ce, finalement, ce female gaze, il est sans doute mis en, en place parce que c'est une autrice. Et, euh, et comme à chaque fois qu'il y a une autrice qui euh, écrit quelque chose d'intéressant, eh bien euh, il y a tout un tas de personnes pour dire qu'en réalité, évidemment, ce n'est pas elle qui l'a écrit. Bon, C'est un lieu commun depuis euh, le XVIIe siècle. Il y a déjà des dramaturges, des femmes dramaturges qui s'en plaignaient avec des textes mmh. très marrants là-dessus. Et euh, oui, là, en ce moment, il y a par exemple le retour de la question autour de Louise l'abbé. Mmh. Euh, et, euh, et donc, par exemple, Elena Ferrante, elle, ne fait pas exception à, à cette règle-là, puisque en 2016, il y a un journaliste italien qui avait fait grand grand bruit. Euh, alors, lui, pour le coup, il avait, il avait dévoilé le nom d'une femme, parce qu'à un moment mmh. on s'était demandé si c'était pas un homme, etc. Lui, il dévoile le nom d'une femme qui est une, en disant que c'est une, c'est la véritable autrice, etc. En fait, alors voilà, il dit c'est Anita raja une traductrice romaine de 63 ans. Il est allé chercher dans tout un tas de papiers administratifs pour, pour corroborer sa thèse. Euh, et voici une vidéo où on le voit justement se justifier, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques contre lui. Alors, juste une chose, parce que le, le, la vidéo est un peu coupée, en, 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 comment dire, au moment où, le, où ce type-là se met à parler, euh, en fait, justement, il y, y a tout un tas de gens qui disent Mais ça faisait 25 ans qu'on ne savait pas qui était Elena Ferrante, et en fait, on, on s'en foutait. Pour nous, c'est juste, euh, fin, même si c'est un pseudonyme, c'est quand même une personne, c'est l'autrice de ces, de ces romans-là. Et en fait, ce type-là s'en défend euh, en, en disant que lui, il a fait, euh, comment dire, c'est un spécialiste un peu des. Des, des, de la mafia, de, de, de toutes ces histoires-là, etc. Et donc il a été souvent un peu démasqué des, des trucs, quoi. Et, et, et donc justement, il dit, mais là aussi, en fait, on nous faisait croire que, euh, mais en réalité, démasquant que c'est juste cette traductrice, et ben en fait, il y a plein de choses qui se révèlent être, être fausses, quoi. Vous allez voir, je, on serait curieux d'avoir votre, votre avis là-dessus. Elena Ferrante est, est de, de loin l'italienne la plus connue connu au monde. Où étiez-vous, vous qui êtes maintenant si indigné lorsque je publiais toutes mes enquêtes Celles sur la Camorra, celles sur la Cosa Nostra, ou celles sur les principaux trafiquants d'êtres humains qui contrôlent le trafic des migrants de l'Afrique vers l'Europe. Surtout, pour se justifier, le journaliste accuse Ferrante d'avoir entièrement falsifié ce que son éditeur présente comme une biographie. C'est un tissu de mensonges, ce truc. Dites-moi, vous êtes des journalistes, bon, pas des journalistes d'investigation, mais vous, est-ce que vous faites la différence entre les mensonges d'une personne sympathique ou d'un grand écrivain et ceux d'un politicien de merde moi. Ah oui, c'est coupé, mais il dit juste moi non. Très violent. Et, mais en fait, je comprends même pas le, le débat. Quel est le problème de cette personne Je ne comprends pas. Bah, en fait, c'est que. De... Euh... Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah non, vas 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 <laughs> non c'est qu'on on est, on est, on est tous les deux étaient très énervés en découvrant ce type, justement. Mais, mais c'est que, euh, euh, comment dire, il est venu vouloir répondre à une question euh, qu'en réalité, il était le seul à se poser, euh, et qui est ce truc de dire euh, on a face à nous, euh, comment dire, une autrice qui vend, enfin, euh, comment dire, vraiment des millions des de livres, livres hein. dans le monde. Et on euh, ne sait pas qui c'est en réalité. Euh, et donc, euh, finalement, tout le monde s'était très bien accommodé de ça. Et lui, quand il vient un peu se mêler, parce que la façon qu'il a de trouver la réponse, c'est en regardant les échanges d'argent entre la maison d'édition et puis les différentes personnes, etc. Et il se rend compte que donc, cette Anita Raya, eh bien, elle a touché énormément d'argent. Euh, et donc, il vient dire, eh bien, moi, je vous montre, et il met un visage, si je puis dire. C'est comme quand il y a une, une adaptation de, 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 de Harry Potter au, au cinéma, c'est qu'en fait, en, en, en venant un peu mettre un visage, forcément, on tranche complètement avec ce que s'imaginent les gens, et puis en plus, on vient se mêler un peu de ce qui ne regarde pas. Et donc, cette question de l'identité un peu cachée, de, 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 de cette personne, euh, euh, comment dire, elle a été vraiment un peu désastreuse, quoi, pour, le, pour tout un tas d'imaginaire et puis aussi juste pour, je sais pas, pour une sorte d'éthique euh, journalistique. Mais Ilaria toi, tu ouais. as travaillé beaucoup, tu as tout suivi, toi, non Bah, si, si je dois être honnête, euh, non. Alors, ça fait des années qu'on tente, <laughs> si vous voulez ma réponse. Alors, ça fait des années qu'on tente de dévoiler de l'identité d'Elena Ferrante. Et euh, en fait, ce monsieur n'a pas été le premier à tenter de, de découvrir qui se cache derrière le pseudonyme. Euh, mais pour vous rassurer, une fois qu'on a dit qu'Elena Ferrante était Anita Raya, euh, il y a eu d'autres journalistes qui ont commencé à dire que non, finalement, c'était son mari, donc euh, Starnone. Donc, c'est pour vous dire que euh, de toute manière, la question n'est pas tranchée. On continue encore à en débattre. Euh, à un moment donné, le monsieur a dit une phrase qui m'a fait un peu sourire, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur la Frantumaglia en disant qu'elle avait menti dans ce livre. Mais euh, en fait, c'est toute une construction littéraire. En fait. Elle est, est inférente et sans vente dans la littérature. Donc, bien sûr, peut-être, peut-être, elle s'appuie sur certains événements, sur son regard de femme. Ou d'être humain, d'une manière plus générale. Mais dire que l'écriture est de la um, fiction, qu'il s'agit d'un mensonge, bah, ça me fait légèrement rire. D'autant plus que, je, pour moi, la, la question de l'identité euh, physique, biologique, euh, vraiment n'est pas importante. D'autant plus qu'on on a la réponse. Moi, je pense que la réponse de qui est Elena Ferrante, on l'a tous. Tous les lecteurs la possèdent depuis des années. Elena Ferrante se trouve dans ses livres. C'est-à-dire que sa vérité, sa manière d'être, de penser le monde, de le produire, de le concevoir, est dans ses livres. Et donc, je pense que la forme de vérité la plus pure euh, est contenue dans sa littérature. Euh, je ne sais pas, moi, moi je voulais vous lire juste un, un petit passage que moi j'ai appelé un peu le manifeste de Ferrante. Parce qu'il faut savoir que quand elle a publié son premier livre, c'était en 92, « L'amour est moleste »,« L'amour harcelant euh, » en français, Elena Ferrante a écrit une lettre à ses éditeurs en disant qu'elle ne voulait pas apparaître, qu'elle voulait rester cachée, effectivement, euh, derrière son nom de plume et dans cette lettre, il y a deux trois passages qui, qui montrent vraiment sa philosophie, sa manière de concevoir non seulement la place de l'auteur dans la société, mais surtout la place de l'écrivain vis-à-vis de la littérature. Donc si vous me permettrez, je vais vous lire un petit un petit passage en italien pour vous faire entendre sa voix. Sa voix littéraire, bien évidemment. Non parteciperò a dibattiti e convegni. Se mi inviteranno, non andrò a ritirare premi se me ne vorranno dare, non promuoverò il libro mai, soprattutto in televisione né in Italia né eventualmente all'estero. Interverrò solo attraverso la scrittura. Io credo che i libri non abbiano alcun bisogno degli autori. Se hanno qualcosa da raccontare, troveranno presto o tardi lettori, se no, no. voilà. Et donc je pense que la, la réponse sur son identité, sur les raisons de son anonymat ou de son effacement, on peut dire comme ça, euh, sont là. Voilà. Mmh. Oui, carrément. Merci beaucoup pour cette lecture. En tout cas, c'était toujours beau d'entendre comme ça une langue étrangère aussi bien parlée. Euh, mais justement, cette identité d'Elena Ferrante euh, qu'elle construit au fil de ses livres, elle la construit à travers des personnages. Euh, qui vivent des vies euh, parfois terribles et même si elle, euh, elle écrit des best-sellers, bah, ça en reste pas moins des livres qui mettent en scène une, vra une vraie violence en euh, l'occurrence une violence sexuelle d'ailleurs étant donné que bah, les, les femmes sont au, au premier plan et est-ce que toi justement Victoire à propos de cette violence est-ce que c'est une écriture que tu as trouvé juste parce qu'on sait que c'est pas... évidemment pas facile d'écrire ce genre de, de... de violence là et puis donc, juste une chose. Euh, et si, si dans le dans le chat aussi vous avez, euh, on serait curieux de savoir comment est-ce que vous avez euh, vécu un peu ces lectures-là. Est-ce que vous, ça vous a paru aussi à vous juste, euh, ou au contraire parfois pas pas si juste. Pardon. Alors euh, donc la question de la représentation des violences sexuelles dans nos fictions, elle est très importante puisque euh, en fait, c'est c'est comme ça aussi qu'on construit nos, nos imaginaires et nos représentations de ce qu'est ou de ce que n'est pas la violence sexuelle, euh, de ce que ça fait ou de ce que ça ne fait pas, de ce qui est un vrai ou un faux viol, euh, de euh, voilà. Et, et c'est vrai que il y a plein de scènes de viol dans la littérature euh, qui sont euh, euh, bah, qui sont aussi du male gaze en fait qui sont vraiment écrites aussi d'un point de vue masculin euh, et pas du tout de, du point de vue de, de la victime ou euh, ni, ni des femmes bon et, euh, et en fait je, je me souviens d'avoir été très très touchée euh, par euh, la façon qu'avait Elena Ferrante dans la mine prodigieuse euh, de nous faire vivre ce que vivait véritablement en fait chacune des, des deux héroïnes de, de ce livre euh, même si elles ne vivent pas des violences sexuelles euh, du, du, du même ordre, en fait, elles sont toutes les deux victimes de viols. Mais ça, c'est vous, euh, Hilaria, qui me l'avait rappelé lors de la discussion préparatoire. En fait, il y, y a deux viols dans ce livre. Euh, D'abord, il euh, y, y a celui de, de Lila, par son mari, le, le soir de sa, de sa nuit de noces, qui revient, euh, qui la tabasse, en fait, hein, et qui la tabasse et qui la viole. C'est comme ça que commence le, le mariage de Lila. Qui la force. Et Personne, euh, voilà, bah oui, il la viol en fait. Mmh. Mmh. Et, euh, et donc euh, viol conjugal, hein, extrêmement classique. On rappelle que c'est la forme de viol la plus répandue en fait. Il euh, euh, y a énormément de, de femmes qui en sont victimes, donc de d'hommes qui s'en rendent coupables. Euh, et, et donc, euh, et voilà, et donc euh, Lila revient euh, ensanglantée, euh, tabassée, tuméfiée, etc. Et personne ne dit rien. Et puis, le viol auquel j'avais pensé, euh, c'était aussi le viol de Lénou, qui donc fait grande confiance à un adulte, à un homme qui s'appelle euh, Donato Saratore, le père de Nino, qu'elles admirent beaucoup toutes les deux. Et qui, là, euh, il s'agit d'une un, violence sexuelle aussi très répandue, puisqu'il est plus âgé qu'elle. Et qu'en fait, euh, il, il, la, il la valorise il la, elle est beaucoup plus jeune. Hein. Il la, il la valorise, il lui demande son opinion, il fait mine de, de se soucier de ce qu'elle pense, de, voilà, il lui donne confiance. Elle est adolescente encore, et puis, euh, et puis finalement il la viole un soir à la plage, voilà, tandis qu'il l'a invitée en vacances. Et donc le mot viol n'est pas écrit, euh, mais on, on comprend très bien elle son état de sidération, sa surprise, le fait aussi ce qui apparaît, ce qui est terrible en fait qu'elle soit flattée de son intérêt qu'elle se sente coupable ensuite, qu'elle qu ait du mal à, 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 à nommer et en fait elle en parle jamais je crois comme comme d'un viol mais nous comme lecteur-lectrice on comprend très bien ce que c'est donc ça oui j'ai trouvé ça très juste parce qu'on comprend à quel point c'est difficile et puis pour elle en fait de, les histoires ensuite qu'elle se raconte que en fait c'était ambigu c'était flou elle savait pas trop etc alors qu'en fait il n'avait pas du tout à faire ça comment ça la met mal aussi elle après et ça, je pense que ce sont des scènes aussi très utiles pour, pour les lectrices, en tout cas moi, qui m'ont été très utiles pour réfléchir aux propres violences que j'avais vécues et à celles que peuvent, pouvaient me raconter des amis. Quoi. Et, euh, et on a besoin de la fiction pour faire ça, pour faire connaître et comprendre toute la complexité des, des sentiments, de la situation. Et je trouve que c'est très fort parce qu'elle ne le dédouane jamais, lui. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ce que lui fait. C'est dégueulasse, en fait. Il ne devait pas faire ça. Voilà, mais que elle, par contre, on comprend très bien pourquoi. Après, du coup, pour elle, c'est tellement difficile à vivre aussi parce qu'en fait, elle s'est sentie valorisée par son regard, par son attitude, par ses paroles, par cette façon répugnante qu'il a de ne pas, de, de, oui, de la séduire dans le pire sens du mot, c'est-à-dire de, de, la, de, la, de la conduire en fait à faire quelque chose qu'elle qu ne veut pas, mais parce qu'en fait, il a de l'ascendant et du pouvoir sur elle. Voilà. Mais peut-être, Ilaria, tu as une autre vision de cette, de cette scène-là Non, non, mais c'est tout, euh, tout un travail que lui, fait, euh, je dirais, d'une manière douce. C'est un personnage terrifiant, Donato Sarratore, mais c'est le miroir, euh, le miroir des aussi. Parce qu'en en fait, le lecteur, au début, il est séduit je dis peut-être pas par, par Sarratore parce qu'on a du mal effectivement, à être séduit, même en tant que spectateur quand on regarde la série, ça reste assez répugnant, l'acteur est d'ailleurs formidable, mais Nino qui est le fils de Donato Sarratore honnêtement il nous séduit, il nous séduit dans la relation qu'il entame avec Lila, on y croit en fait et donc toute la construction de Ferrante est assez, je dirais, assez maligne parce que finalement elle arrive à nous montrer qu'est-ce que c'est aussi le fils de, de cet homme, lui qui, qui voulait autant se différencier par par rapport à son père et qui finalement est pire, pire, pire que son père. Ouais. Ah ouais, j'ai pas. Euh, C'est dans le, dans les autres tomes, ça, non Comment il devient ouais. horrible Ouais. <laughs> oui, oui. Ah, moi, je suis au milieu du 2, il est encore trop sympa et tout. Ah non, euh, non. Bon, voilà. oh, ah, purée. Désolé. Oui, non, 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 non. Ouais. Okay. Juste -ce pour ce dire, euh, Nino pourrait être à la fin, je dirais presque l'emblème du personnage Berlusconien par excellence. Et je pense que Ferrante a vraiment voulu jouer sur ça, mais je ne veux pas trop anticiper pour ne pas te. Euh, pour, pour, pour éviter de t'enlever le plaisir de la lecture. Voilà. Bah. Pff. Purée. Euh, mais non, mais c'est effrayant. Et puis en plus, euh, je, je trouve que le, comment dire, le, le, euh, ouais, même pour nous, ça nous apparaît d'une telle subtilité. Enfin, je trouve qu'il y a un, comment dire dans la euh, dans la question de, de, du viol de Lila, donc euh, dont même toi-même, Victoire, tu disais qu'il y avait des gens à qui tu en parlais et, et qui avaient même oublié un peu ce fait-là, tu vois, qui se disaient Ah bon, mais c'est vrai que Lila aussi. Euh... Non, enfin, moi qui, avait... Moi j'avais oublié quand on a fait ah, la oui. discussion préliminaire. Euh... Tous les quatre, c'est mmh. toi et Laria qui me l'a rappelé. Ah oui, d'accord. Oui, j'avais oublié mais ça. Oui, ouais, ouais, j'avais gardé en mémoire ce. ce... Mmh. Parce que du coup, dans le livre euh, lui-même, dans le texte, il y a justement ce fait-là, qui est que euh, quand euh, euh, Lila revient dans sa famille, enfin euh, dans sa belle famille, mais même sa famille est présente. Euh, et puis que c'est un peu le retour de la, de la, comment dire, du voyage de noces, etc. Euh, tout le monde voit bien qu'elle a des bleus, et pourtant, euh, et pourtant personne ne dit rien. Quoi. Il y a vraiment ce, ce fait-là qui est de dire, euh, encore une fois, le, 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 les viols ne sont pas cachés, en fait. Euh, ils, sont, ils sont très visibles, et simplement euh, personne ne dit rien. Quoi. Et donc on avait, on avait préparé un petit carton pour ça, où on voit juste le, le, le passage du texte, mais euh, c'est vraiment ça, pendant la majeure partie du déjeuner, Lila est restée debout. Ça lui faisait mal de s'asseoir. Personne, pas même sa mère, qui n'a pas ouvert la bouche une seule fois, ne semblait remarquer le gonflement noir de son œil droit, sa lèvre inférieure coupée, les bleus sur ses bras. Et fin du chapitre quoi. Il Faut dire qu'à chaque fois, elle est, elle est quand même tellement forte sur les fins de chapitre. Elle a vraiment un truc de à chaque fois de nous laisser. Enfin, il y a vraiment un art de la punchline quand même sur, chez Ferrante qui, est, enfin, je sais pas moi qui que je trouve quand même assez assez exceptionnel. Et ce que tu disais tout à l'heure, Victoire, sur le fait qu'il y avait aussi le truc là sur les... les... Ça, faisait... Ça permettait aussi, dans... bah, en mettant en scène ces deux viols finalement, euh, de... de réfléchir aussi sur le... la notion de vrai viol, faux viol. En fait, ce qui est vraiment frappant, c'est que tout est évident, en fait. Et qu'il euh... qu n'y a pas de doute sur le fait que euh... c'est des viols, c'est une évidence. Mmh. En revanche, tout est fait pour que les victimes soient incapables de mettre un mot de... des mots dessus. Et ce qui est terrifiant, mmh. je trouve, dans le cas de Donato Saratoré, c'est qu'il euh, orchestre parfaitement tout, tout ce qui est en train de se passer. Et que bon, moi, là, Fernandé nous fait bien sentir, c'est que lui est, elle, elle est complètement en confiance, et lui, il est complètement en contrôle. Et, euh, mmh. et c'est ça qui est vraiment terrifiant, c'est que elle, bah, elle est elle est complètement, elle se, c'est ça, elle a complètement confiance dans cette figure euh, qui est euh, à la fois intellectuellement et puis même euh, au-delà de ça, dans, dans, une, euh, dans un rapport euh, euh, Comment dire euh, Où elle peut, elle peut entièrement se livrer. Enfin euh, voilà, elle est vraiment dans la confiance. Et lui, on, on voit vraiment mot après mot qu'il maîtrise absolument toute la situation et qu'il va tout faire pour rendre confus tout ce qui se passe, quoi. Oui, oui. Bah en fait, c'est un un chapitre ou un, un personnage qui enseigne très bien euh, et qui montre très bien la, la ce que c'est qu'un prédateur la technique d'un prédateur et qui n'est pas et qui n'est quasi jamais un, 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 un vieux mec qu'on connaît pas dans une ruelle c'est pas ça les prédateurs prédateurs c'est des mecs comme le Donato là qui invite Lila sur cette île et et qu'il l'écoute, et qu'il la met en confiance, et tout ça, et puis à un moment, euh, comme ça, dans la continuité, met sa main sur sa cuisse, et puis remonte, et puis elle est gênée, et puis en fait si, puis c'est comme ça que ça se passe les viols. C'est pas un mec qui vous attaque, c'est un mec euh, que vous estimiez, qui vous donnait confiance, euh, qui vous faisait vous sentir bien, euh, qui brouille tout, et tout ça, c'est une excellente description de la stratégie du prédateur. Oui oui non et en fait mais... intéressant c'est que dans le donc oui je, je vois une, une, une spectatrice dire qu'elle aussi elle avait oublié euh, je sais pas de, de quelle euh, voilà, violence elle, 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 elle parle euh, et j'ai vu là en faisant des recherches moi j'ai pas vu la série mais que le, la scène en question a été censurée euh, en fait elle est représentée dans la dans l'adaptation la, en série mais euh, la RAI, quand elle l'a diffusée, a, a, a coupé cette scène. Voilà. Mais pas France Télévisions. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, ça dérange. Ah, oui, ouais, c'est clair. Ça raconte beaucoup de la RAI en ce moment. <laughs> euh, hum. Qui est donc euh, la, la chaîne de télévision et pas le genre musical. Voilà, c'est hein, la chaîne de télévision publique euh, italienne. Oui. Ah oui, d'accord. Il y a eu un changement. Vas-y, bah, euh, non, mais euh, euh, comment dire, comme le temps file, il euh, y avait aussi la comment dire la question de la, de la traduction qu'on voulait aborder avec toi, Ilaria. On a de la chance, étant donné que tu es franco-italienne. Euh, le, le, comment dire. Euh, est-ce que tu, comment dire, on évoque un peu cette question à chaque fois qu'on parle de, de romans étrangers parce que forcément il y a un peu du, du comment dire, c'est en italien qu'on dit euh, traduire c'est trahir quoi. Euh, euh, et alors donc toi, euh, comment est-ce que tu as un peu vécu cette, cette différence entre les deux Est-ce que tu trouves que le, 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 la traduction globalement euh, retransmet, euh, fait honneur un peu Est-ce qu'il y a des choses que tu verrais comme améliorables euh, Alors la question est complexe parce que moi je travaillais sur l'œuvre en italien. Donc, euh, j'ai je, 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 lu Ferrante en italien et j'ai travaillé sur Ferrante en, en italien. Donc, euh, j'ai les livres en français, mais euh, je peux, je, honnêtement, ce je n'est pas, pas mon angle d'attaque, si vous voulez, euh, d'analyse. Mais je peux mmh. vous dire euh, déjà au moins deux choses. Euh, une chose qui, concerne, qui ne concerne pas que la traduction française, mais qui concerne aussi, par exemple, la traduction euh, en anglais. C'est-à-dire que les, tradu les deux traductrices, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un choix de la maison d'édition euh, Gallimard et de, de la maison d'édition américaine, euh, elles ont choisi de ôter euh, le mot histoire storia » au début de chaque titre. Donc, parce qu'en effet, euh, nous avons l'ami génial et l'ami prodigieuse, donc c'est le volume 1, et ensuite nous avons les trois volumes, les trois livres, en fait porte ce nom, ce, ce mot «histoire». C'est-à-dire, par exemple, en français, vous avez le volume 2, c'est «le nouveau nom». Eh bien, en italien, c'est «histoire du nouveau nom». Le volume 3, c'est «celle qui fuit, celle qui reste». Et en italien, ce serait «l'histoire de celle qui fuit, de celle qui reste». Dernier tome, «l'enfant perdu» en français. Et en italien, ce serait «l'histoire». Ou «l'histoire» ou «histoire» même, sans, sans l'article. La, sans histoire de l'enfant perdu. Alors pour moi, c'est assez assez important ce mot histoire parce qu'il il ne faut pas oublier que toute la narration de Elena, donc d'Elenaou, est basée sur un sur un récit sur le récit d'une du, amitié. Donc c'est sa manière de compter cette amitié, c'est sa manière de raconter son ami. Et euh, je trouve que la notion des narrations est vraiment fondamentale, non seulement dans la prodigieuse, mais dans toute l'œuvre de Ferrante. C'est-à-dire cette idée de pouvoir raconter, de pouvoir se raconter, de pouvoir écrire sa propre histoire et aussi l'histoire de l'autre. Donc avoir ôté ce mot, pour moi, est, est vraiment dommage. Voilà, je, je vais dire ça. Après, il y avait aussi une autre question qui est beaucoup plus, plus délicate, et peut-être c'est pas le moment, mais c'est la, la, la question de la délimitation, donc de la smarginatura de lila euh, Là aussi, délimitation, par exemple, pour moi, en français, n'est pas, pas un mot qui décrit vraiment ce phénomène, parce qu'en fait, Ferrante, ce qu'elle a voulu décrire, c'est le fait de sortir, de dégonder de ses propres marges, de ses propres confins, de ses propres limites. C'est l'être humain qui, qui arrive à déborder. Et aussi, le monde déborde, les autres débordent, alors que le mot délimité en français me semble plutôt euh, traduire le sens inverse. Donc, par exemple, je sais bien que c'est compliqué la traduction, donc euh, je ne veux pas à la traductrice, mais c'est juste pour vous expliquer que parfois, la sensation qu'on reçoit en lisant en français, et c'est normal, n'est pas celle qu'on a quand on lit en italien. Voilà. Et peut-être je peux vous, vous lire un autre extrait en italien si, si vous avez envie. Euh, mmh. et j'ai choisi un... <laughs> et j'ai choisi un, un extrait de la fin de la fin de, de, du quatrième volume euh, c'est juste pour euh, donner le contexte et j'ai choisi ce, ce morceau parce que pour moi ça explique vraiment qu'est-ce que c'est l'idée de raconter une histoire, c'est-à-dire c'est Lénou qui raconte, arrive à la fin de son récit de, de son amitié avec Lila et elle raconte qu'à la fin de sa vie elle avait une angoisse euh, donc, elle arrive, elle est une femme mûre, elle a une angoisse, elle est devenue écrivaine, mais elle a peur de Lila parce que Lila n'a jamais écrit, mais Lila pourrait toujours écrire ce livre formidable, ce livre incroyable qui mettrait complètement en question toute sa carrière, toute la carrière donc, de Lénou. Et donc, Lénou a peur. Et n'arrête pas de questionner Lila. Est-ce que tu es en train d'écrire un nouveau livre? Est-ce que ce livre peut être caché? Et Lila donne aux réponses que pour moi retraduit euh, l'existence de deux écritures dans la géniale, dans la prodigieuse, c'est-à-dire l'écriture de l'Enou, d'Elena Ferrante, donc, qui est une écriture de la permanence, et l'écriture de Lila, qui est une écriture de la rature, c'est-à-dire de l'effacement, une écriture qui n'existe pas et qui pourtant existe justement par son gommage, par son absence. Et je vais vous lire euh, en italien. Se tu, mettiamo, dovessi scrivere qualcosa, è eh, un'ipotesi, me la faresti leggere. Qualcosa di che tipo? Ma qualcosa. Rino dice che stai sempre al computer. Rino dice fesserie. Vado su internet, mi informo sulle novità dell'elettronica. Non scrivo. Vedi, non scrivo niente a nessuno, nemmeno a te. Va bene, ma nel caso tu scrivessi qualcosa me lo faresti leggere, me lo faresti pubblicare. E la Lila sapò per scrivere bisogna desiderare che qualcosa ti sopravviva. Io invece non ho nemmeno la voglia di vivere. Non ce l'ho mai avuta forte come ce l'hai tu. Se potessi cancellarmi adesso, proprio mentre ci parliamo, sarei più che contenta. Figuriamoci se mi metto a scrivere. « Di me non voglio lasciare niente. Il tasto che preferisco è quello che que serve a cancellare. » Pure et dense. Et alors toi, du coup, tu... Maintenant, ce... bah on a tous mais les deux envie juste... de réagir. Mais vas-y. Bah je disais juste que c'est hyper intéressant ce, ce... le fait que d'un côté, il y en a une qui fait tout pour que... Euh pour que tout s'efface, pour que toute sa vie s'efface, d'ailleurs c'est les premières pages du livre, et, euh, et l'autre qui justement court après euh, cette vie qui est en train de s'effacer, euh, court après, bah, ça fait penser en fait à, aussi à, en un sens à ce qui s'est vécu chez beaucoup d'hommes entre euh, un homme qui juste avant de, de mourir décide de brûler tout ce qu'il a fait, et, euh, et puis finalement son notaire ou je ne sais pas qui va décider de garder et puis finalement de publier, etc. Et ici en fait c'est... Euh, dans un cadre complètement différent, c'est-à-dire le cadre d'une amitié, euh, et qu'il y, euh, qu y en a une qui veut, bah, qui veut quelque, chose lui, qui, quelque chose de survivre de son ami, alors que l'autre qui veut tout effacer. Quoi. Oui, mais c'est le récit aussi d'un échec, parce qu'à la fin, euh, bah, on sait bien que la littérature ne peut pas contenir la réalité d'un vécu, elle ne peut pas retraduire la vérité d'une existence. Et il y a aussi, pour moi, hein, une réflexion que Ferrante fait sur elle-même. Elle est très, très dure avec elle, très dure avec sa forme littéraire, très dure avec l'idée de la publication aussi, euh, parce qu'il y a des passages où, effectivement, elle critique beaucoup le monde de l'édition et le fait par le biais de Lenou en fait. Et donc, je pense que Ferrante a voulu simplement représenter la figure de l'effacement, comme une possibilité d'être. Aussi de la forme littéraire. C'est-à-dire comme si le meilleur des livres n'a pas encore été écrit. Euh, L'écriture enlève toujours quelque chose et on doit tenter d'écrire pour pouvoir garder un souvenir d'une personne, de nous-mêmes. Écrire, c'est aussi une manière de se former, de se construire, comme je disais tout à l'heure, mais c'est un, un apprentissage, c'est une tentative qui peut-être n'aboutira jamais. Oui, effectivement, oui. D'autant plus qu'il y a un peu une sorte de, de comment dire, de, de, ouais, de, de, besoin vital terrible chez, chez, chez Lila et qui, est, et qui se manifeste partout, même tous les prodiges. Qu'apparemment elle a reçus puisqu'elle comprend tout très vite, qu'elle arrive à, à, comment dire, à avoir un, un charisme incroyable auprès des autres et qui pourtant justement est le plus, euh, enfin est le plus contraint et le plus euh, écrasé quoi. Et, et, et là je, justement moi dans le tome 2, je suis au moment où elle où elle est enceinte pour la première fois alors me dites pas ce qui se passe mais euh, mais, où, mais où, voilà il y a vraiment ce truc d'avoir aussi une vie en elle et de dire euh, ce, ce, cette vie je la je, je vraiment je n'en je, veux pas c'est quelque chose que je veux que je veux écraser quoi il y a même justement un peu la croyance du coup dans sa belle famille qu'elle a même une sorte de pouvoir un peu maléfique pour, pour empêcher un peu pour, pour ne pas tomber enceinte ne pas que quelque chose vive après elle quoi. Euh, et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as senti toi aussi, Victoire, un peu en, en lisant ce, ce personnage-là, un peu cette de, de euh, quoi, de... lutte pour la, pour la, comment dire, à la fois un désir d'exister et un désir de, de disparaître qui sont, comment dire, en permanence ensemble, quoi. Oui, oui, ouais, bien sûr, bien sûr, c'est évident. Mais après, quand je repense à ce roman-là, ce qui me, ce qui me frappe, c'est à quel point l'écriture pour euh... Pour Elena, c'est un acte d'amour aussi qu'elle a en fait. Pour Lila, elle la trouve tellement extraordinaire qu'elle veut absolument la décrire, la, la comprendre, l'analyser, tout ça. C'est vraiment un geste d'amour magnifique, c'est une adoration en fait aussi. Une, une... Là, toute cette année, je me posais énormément de questions sur ce que c'était l'amour, comment, qu'est-ce que. Et je crois qu'il y a quand même. Ça va, non, c'est vrai, je crois ça, que euh, euh, ça a beaucoup à voir avec l'attention, le fait de faire attention, dans tous les sens du terme, de, de prendre soin de, de quelqu'un, et puis de, de le... Euh, de regarder une personne, de, de l'observer sans la juger, sans... de, de la regarder vivre, d'essayer de comprendre qui elle est, qu'est-ce qui la meut, d'où elle vient, pourquoi elle agit comme ça, qu'est-ce que... Et, et je trouve que Enfin, en fait, pour moi, on dit souvent c'est un grand roman d'amitié. Là, l'amie prodigieuse, mais c'est un grand roman d'amour, en fait, de, de l'amour total de Helena de pour pour Lila, de, de, de faire attention comme ça au micro, au micro mouvement, de se poser des tas de questions, de l'observer de comme ça. Voilà, je trouve ça très beau. Ouais. Ça vous fait pas penser à ce que j'y pense comme ça, mais ça fait vraiment penser au portrait de la jeune fille en feu, non le fait qu'il y en a une qui regarde l'autre, puis qui peu à peu apprend oui. à la regarder, et en même temps une qui veut juste disparaître. Mais... Très juste, absolument. J'avais pas du fonctionne. tout pensé, mais c'est vrai. Euh... Et d'ailleurs, dans cette construction de l'identité finalement, de l'une avec l'autre, ça tombe bien parce que Hilaria, toi, t'as fait ta thèse dessus. Euh... Enfin, sur la question de la construction d'identité. Et. Euh... Euh... Comment dire Comment est-ce que tu perçois la construction de l'identité de Lila par le prisme d'Elena et donc bah, d'Elena ferrante? Oui, alors, bah, bah, la question est, est longue, mais l'idée est vraiment celle d'un euh, principe, d'un paradigme qu'on pourrait dire, c'est en écrivant l'histoire de l'autre qu'on arrive à construire la nôtre. Et dans le cas... Précis euh, de l'amie prodigieuse, c'est à travers l'écriture de l'histoire de Lila que non seulement Lénou arrive à se définir, à se construire, parce que finalement, vous le voyez bien, elle raconte l'histoire d'une amie, de son amie, mais elle raconte aussi son histoire. Eh bien, on pourrait dire que cette Lénou Ferrante euh, incarne aussi le, la figure de l'écrivain quand on entend décrire l'histoire des autres arrive à se définir et à se construire à l'intérieur de l'œuvre littéraire. Donc c'est vraiment l'idée d'une construction euh, d'une œuvre littéraire, on pourrait dire au sens large. Mais pour revenir au cas de Lila et de Lenou, euh, il y a une philosophe italienne qui s'appelle Adriana Cavarero, un féministe. Euh, qui dans un livre euh, qui, qui a été fondamental pour moi en italien c'est tout que mi guardi tout que mi racconti, la traduction c'est serré serait... Toi qui me regardes, toi qui me contes. Euh, et où elle raconte de ce paradigme, mais justement entre femmes. Et pourquoi mais Parce que justement, Cavarero, au-delà de sa profession de philosophe, euh, est un féministe. Euh, elle faisait partie euh, surtout de ce cercle de, de, de la librairie des de donnes de Milan. Et donc, il faut savoir que le féminisme italien a, des années 70 a une spécificité, c'est-à-dire euh, le phénomène de l'autoconscience. Qu'est-ce que c'est Les femmes se réunissaient en groupe pour simplement écouter l'histoire des autres. Et c'est à travers l'écoute du récit des autres qu'on arrivait non seulement à comprendre sa propre histoire, parce qu'effectivement il y avait des choses qui revenaient, etc., mais c'est le récit de l'autre qui nous permettait de mettre en perspective notre propre histoire et donc de la comprendre d'une manière plus approfondie. Et donc cette idée que l'écoute... Fait l'histoire personnelle, et eh bien Cavarero la, 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 la transforme dans vraiment un, un paradigme presque narratif identitaire, c'est-à-dire nous on peut écrire, mais en écrivant l'histoire de notre ami finalement ou de notre femme, on arrive vraiment à pouvoir définir notre identité, non seulement à raconter notre histoire, mais à définir notre identité comme un miroir, comme un jeu de miroirs, justement. Et, et voilà, donc je pense qu'on pourrait résumer ça. Euh, L'île, euh, figure de la disparition, euh, peut apparaître grâce à l'écriture. Ferrante, auteur caché, apparaît grâce à ses livres elle existe, et moi je définis ça en forme d'identité de papier, d'identité qui est fait de mots. Euh, C'est un être de mots, Ferrante. mais il faut respecter le fait qu'elle a choisi de s'incarner, de, de se cacher, de se dissoudre, mais paradoxalement comme Lila, d'exister, à travers le gommage de son identité en chair et dos, et avec l'existence de sa page littéraire. Oui, <laughs> là oh ben tu vois, te remercie en, en direct. Euh, non mais c'est ça, c'est que c'est effectivement un peu tout ce, tout ce jeu où on voit bien que finalement, euh, euh, à la fois les gens sont, sont, sont dans le texte et puis on, effectivement on déborde, quoi. En, en, euh, bah, le mot italien que tu avais employé tout à l'heure. Euh, euh, je pense qu'il euh, euh, y, a, y a justement quelque chose qui est assez frappant sur le fait que cette histoire-là, du coup... Euh, donc entre deux personnes qui se construisent l'une par rapport à l'autre, elle démarre sur une scène qui est euh, assez étonnante et qui a vraiment servi un peu dans, le, dans les bandes annonces et tout ça de la série euh, et qui est cette histoire des poupées aussi. Justement, quand on en parlait, euh, tous les deux, Redek, tu, on, enfin, on n'avait pas exactement la même, euh, la même réception, mais, mais, mais je pense que c'est l'occasion que tu en, dis, tu en dises un mot. C'est l'occasion que je te présente mes excuses, Pierrot, parce que tu avais fait ça. <laughs> <laughs> Pour moi, depuis le début, Lila était une affreuse, manipulatrice, cruelle, euh, toxique. Et en fait, c'est vrai qu'en relisant le livre, je me suis rendu compte <laughs> que c'est vrai que tout ce truc-là autour de la cruauté, en fait, de, de la cruauté, on va très bien là dans la, dans la bande-annonce, en fait, tout le truc autour de la, de la cruauté de Lila est en fait vraiment extrêmement complexe dans la mesure où bah, à chaque fois, évidemment, on passe par le regard de Lénou que au euh, euh, moment où elle dit qu'elle est méchante, qu'en en effet euh, Lila est méchante, et ben en fait elle dit nous étions toutes méchantes, mais elle était devant la maîtresse. Et à ce moment-là, bah, justement qu'on voit bien là, dans la bande annonce, en fait c'est que euh, elle, il euh, y a un moment avec les poupées où elle joue chacune, mais en fait elle joue chacune séparément. et ça qui est très bizarre en fait. Euh, et à un moment elles se rapprochent et elles échangent leurs poupées. Et en fait ce qu'on voit dans la bande annonce c'est que, regardez, la poupée de Helena euh, est habillée comme Lila. Et la poupée de Lila est habillée comme Elena. Et en fait, d'ailleurs, on... enfin à peu près, vous voyez. Là, maintenant, elles ont mmh. échangé. On voit qu'elle est qu'elle est en jaune. Et en fait, elles ont en effet en italien, enfin dis-moi si je me trompe, il n'y a rien, mais elles ont des noms. Enfin, à chaque fois, elles donnent à leur poupée le nom finalement plus ou moins de l'autre. Euh... Et donc finalement, quand elle jette la poupée, quand euh, euh, Lila jette la poupée d'Elena dans le trou, en fait, c'est pas qu'elle jette la poupée d'Elena dans le trou, c'est qu'elle jette euh, son, elle, 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 elle se jette elle-même dans le trou en disant bon bah. Hop là, allez, on y va. C'est un appel au défi. Et l'autre, finalement, ne fait que répondre à cet appel au défi. Est-ce que euh, je dis n'importe quoi Ou est-ce que euh, ça te parle Non, non, ça me parle. Les poupées s'appellent Tina. C'est la poupée de Lenou, qui d'ailleurs s'appellera comme la fille de Lila. Et la poupée de Lila s'appelle nous. Euh... Alors, c'est vrai que la poupée que, qui, qui fait partie, on peut, on peut dire que la poupée, c'est un double, un étoffe des deux personnages, des deux jeunes filles. Mais comme, comme je, je voulais vous, vous expliquer que Elena Ferrante, ce n'est pas la première fois qu'elle emploie euh, la poupée, parce qu'on a déjà un livre que c'est Poupée volée. Euh, en italien, c'est traduit différemment, le titre est différent, c'est la fille obscure. Euh, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a, y a une histoire des poupées dedans et la protagoniste, effectivement, se reflète dans cette poupée. Il y a un autre livre, un conte pour enfants, qui s'appelle La plage de la nuit, où il y a une poupée qui est tout à fait la protagoniste absolue euh, du livre. Donc, ce n'est pas la première fois que Ferrante utilise l'imaginaire de la poupée pour euh, raconter autre chose. Dans le cas précis, bien évidemment, les poupées sont la préfiguration d'un destin. Lila, effectivement, défile nous en lançant la poupée. Et c'est aussi un apprentissage au courage, un apprentissage à se dire, il faut franchir certaines barrières, il faut descendre dans la cave obscure de l'ogre d'un achille pour voir si on est capable de le faire. C'est l'idée vraiment de, de, de tout le temps tenter de pousser l'autre à aller au-delà de ses propres barrières. Mais il y a aussi une autre chose, et je pense que tu l'as bien vu, c'est... Une idée très masochiste qui traverse tout le personnage de Lila, et ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que Lila a ce désir de se faire du mal, ce désir de disparaître. Et cette idée de disparition, de dissolution, on la voit déjà dans l'histoire de la poupée, mais à la fin, les poupées reviennent. Et donc là, ça va jeter toute lumière assez particulière sur, sur l'histoire et sur leur amitié aussi. Alors, Janira Lila répond Cette scène avec les poupées marque leur amitié. J'ai l'impression qu'elles renoncent à leur destin de femmes traditionnelles en jetant leurs poupées. Oui, il y a aussi carrément ça, le fait de dire ah, oui, euh, Voilà un, un attribut un peu de, de, de l'enfance et puis vraiment de la petite fille. quoi. Et elle, euh, euh, Effectivement. Mais, mais du coup, aussi un peu de, de, de venir faire quelque chose ensemble. C'est que déjà, cette amitié, elle a aussi ce pouvoir un peu subversif-là. quoi. Euh, oui, puisque, il comme il raconte. Pardon, juste t'as glissé à ça pour quelle raison Victoire pardon. Ah euh, euh, non non, parce que c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et par ailleurs, c'est aussi pour ça que que le roman est passionnant. C'est c'est l'histoire de leur lutte pour échapper au destin qui leur était promis, qui était quand même de, de galérer avec des maris violents, d'avoir beaucoup d'enfants. Euh, et de vivre dans la misère totale et dans un monde d'une brutalité euh, inouïe et comment elles vont essayer de s'en tirer toutes les deux avec leur goût pour les études, pour les livres et tout ça et, et leur parcours remarquable qui ne sont pas des parcours euh, représentatifs de ceux de, de la majorité des femmes et, et donc oui oui c'est sûr que c'est aussi enfin cette saga là c'est aussi ce, ce récit le récit de leurs difficultés de comment et de, et de comment on essaie tout le temps de leur mettre des bâtons dans les roues et de comment elle retombe. Tu vois, euh, Ilaria, tu disais à quel point Lila, elle essaie de se faire. Elle, elle se fait du mal tout le temps, elle est masochiste et tout, mais, mais comme on la comprend en fait, en regardant l'enfance qu'elle a eue, les relations. Il n'y a pas un seul mec à qui elle peut faire confiance. Enfin, je crois qu'il y en a un, son, mais bon, ça vient dans les sagas d'après. Euh, elle, est, elle est violentée de, de toutes sortes de façons. Enfin, c'est terrible la vie qu'elle a. donc, euh, Et elle, à chaque fois, elle essaie d'être indépendante, de gagner sa croûte, de de, de de pas se maquer avec un connard, elle divorce, elle se sépare, et tout ça, c'est des, des destins très très impressionnants. Et pareil pour Elena, qui va se battre à d'autres niveaux, même quand elle aura changé de classe sociale, qui elle, en plus, subit une violence de... de voilà, la violence liée à son statut de, de trans-classe, de plein de violences symboliques, en fait. Mmh. Et quand on parle de cruauté, là, non, moi je les trouve ni cruelles, ni l'une, ni l'autre, non, 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 pas du tout, hein. Non, non, je crois pas. C'est la vie qui est cruelle. Je ne pas dans les commentaires. Pardon que oui, parce que voilà, Kiran dit, pour moi, c'est Lénou la plus cruelle. Je doute parce qu'elle le dit, elle nous raconte toutes ses petites bassesses, alors qu'on n'a pas le point de vue de Lila. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Lénou, elle est dure avec elle-même, ouais. Mais je la trouve pas cruelle, moi. Oui. Ouais. Mais alors, peut-être qu'on a aussi encore un instant pour parler de, de, de cette question de quartier là, que tu, que tu abordes euh, euh, juste à l'instant euh, euh, avec l'idée que Léna devient un peu trans classe. Euh, euh, Apparemment, même, puisqu'en fait elle, 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 elle devient. Euh, elle, elle publie des livres, euh, mm -hmm. euh, elle, elle a une. Enfin, oui, elle, puis elle, 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 elle gagne sa propre vie, elle, un, donc euh, oui, oui. Parce que mmh. moi, je, je, je connais des gens qui. Euh, enfin, je connais une personne avec qui j'avais parlé de ce livre-là et qui m'avait dit Je n'ai pas du tout aimé ce livre-là parce que c'est une personne d'environ de 60-65 ans euh, qui a grandi dans le Forêt, donc euh, euh, dans la région autour de Lyon, euh, et qui disait euh, Pour moi, je, je suis en désaccord avec le fait que euh, la vie dans euh, ces quartiers-là euh, était uniquement une vie euh, une vie difficile une vie violente etc et que euh, et que au contraire je trouve que dans ce roman il y a uniquement le désir de s'en aller du quartier euh, alors que euh, alors que euh, oui pour moi c'est comment dire passer un peu trop vite sur le fait que néanmoins il y a aussi euh, le, le, les problèmes de la de la ville et que quand on est dans le quartier il y a quand même un côté un peu euh, euh, comment dire euh, euh, communauté etc euh, et, et voilà. Et là néanmoins, je pense qu'il y a malgré tout un rapport ambigu. Quand même, au quartier, c'est certes qu'il est un peu violent, mais dans le livre, on voit bien qu'il y a à la fois un peu un désir d'y revenir et en même temps un désir de d'en sortir. Je ne sais pas comment est-ce que tu as vécu ça, toi, Ilaria, euh, qui connaît certainement beaucoup mieux Naples que nous. Euh, Il faut voir euh... ce quartier pour comprendre. Il faut y aller. Parce que je ne dis pas qu'il est intact, mais il, il est là vraiment avec le chemin de fer, avec le petit bâtiment à quatre étages. C'est assez intéressant. Il est très petit, très, très petit. Euh, et il faut peut-être essayer de se plonger aussi dans cette réalité des années 50 pour deux femmes dans le sud de l'Italie. Euh, donc, euh, ça représente vraiment euh, ce qui peut être définie comme une difficulté existentielle à pouvoir s'en sortir, à pouvoir mmh. affirmer sa propre présence, sa, sa voix de femme, et à pouvoir construire une vie au-delà des rôles qui sont le rôle de la mère, euh, le rôle de la femme qui reste à la maison et qui est là pour euh, préparer à manger à son mari. Donc, euh, l'histoire de Lila et nous, ce sont les deux visages d'une difficulté à Sortir de cette condition qui pourtant est la condition d'origine. Il ne faut pas oublier une chose. Euh, à un moment donné, dans le livre, Lenou le dit. Lila n'a jamais voulu sortir des Naples. Lila n'a jamais tenté de sortir. C'est Lenou qui l'a poussé euh, en lui disant. Essaye, essaye de sortir, elle essaye de voir le monde. Elle a toujours eu peur du monde. Donc d'un côté, effectivement, le quartier, c'est quelque chose qui te définit, qui te donne des limites, qui te voudrait pousser, qui te voudrait abattre, mais tu es incapable de le faire parce que ton identité est profondément rattachée à, à cette réalité sociale et c'est difficile aussi de d'aller au-delà de ça. Et Lénou a effectivement une attirance pour, pour, pour le quartier, parce qu'elle a besoin du quartier pour pouvoir écrire. Elle a besoin des Naples pour écrire. C'est ça la question. Oui. Et toi, Victoire euh, Non, il me semble que... que enfin, y a... Oui, oui. Enfin, y a, en fait, euh, c'est aussi une, 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 un acte d'amour, encore une fois, pour le mais pour le quartier aussi, pour ce monde-là. Sinon, elle ne le décrirait pas avec autant de, de détails, d'attention, d'affection. De, 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 moi, je trouve qu'au contraire, on sent, on sent une grande, grande affection pour la vie de tous ces gens qu'elle décrit si minutieusement. Pour, euh, euh, oui, oui, donc euh, je ne comprends pas trop la critique de ton ami, mais. Euh, voilà. Et, et c'est pas. Moi, je sens aucun mépris, en fait, dedans, encore une fois. Pour moi, c'est vraiment un grand roman d'amour, quoi. Pour la, le quartier, pour cette vie, pour cette amitié, pour cette finie. Moins, hein, moins, les histoires d'amour, moins les histoires d'amour euh, entre guillemets euh, entre les, les hommes et les femmes qui sont terribles. Quoique, il y a le récit de cette passion. enfin, c'est dans les tomes d'après encore, mais bon, Vous avez... Enfin, en tout cas, Là, voilà, je, tout je continue d'offrir ce roman à, à tour de bras, et j'encourage je, et en particulier les lecteurs masculins à le lire car d'expérience. Euh, euh, quand je le... et y compris quand c'était sorti, il euh, y avait plein de types de mon entourage, pourtant des grands lecteurs, qui ne voulaient pas. Euh... Enfin, je sais pas, ils avaient toujours mieux à lire, quoi, que ça, tu vois. Parce qu'ils disaient que c'était pas, c'était pas pour eux. Ah oui, alors la vie normale et magique. Est-ce qu'on peut parler d'un amour lesbien non assumé entre elle et pour la narratrice Bah oui, à fond, je crois. Enfin moi, ça me paraît évident. Euh, c'est pas que peut-être même pas que ça leur traverse l'esprit, parce qu'en fait, j'imagine me dis que c'est pas possible. Vu qu'il n'y a pas l'exemple autour d'elle, vu que voilà, c'est elles grandissent aussi dans une culture extrêmement euh, hétéronormative, mais oui, il y a tant d'amour, tant d'amour entre elles, tant d'attirance, tant de désir, tant de. Mmh. Bah oui, c'est la scène de la de la baignoire là, fin de dont on a mis une lecture dans le dans la vidéo quoi, euh, qui est effectivement assez euh, assez dense et assez explicite euh, sur le sujet. Bah, la façon dont elle la regarde et dont elle décrit son corps et dont tout ça, oui, bah oui, c'est sûr. Oui. C'est bien dense. Euh, et ben, je pense que c'est une belle chose sur laquelle on peut conclure cette cette conversation. Euh, une heure, c'est à la fois court et en même temps, ça permet de dire plein de choses. Donc c'est donc c'est vraiment vraiment très agréable. Euh, merci. Donc, euh... Pardon, vas-y. Ben non, mais donc, euh, merci, euh, Victoire euh, d'être venue euh, partager un peu ce moment de lecture avec nous ce soir, et puis un peu partager, voilà, vos impressions, vos, votre, votre lecture de, de, ou relecture re -re 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 de ce livre avec nous. Euh, avant de nous séparer, première chose, est-ce que vous voudriez peut-être nous partager une recommandation de choses à lire, à voir, à écouter, Victoire par exemple euh, oui, je, je repensais à un autre roman d'amitié, là, que j'ai beaucoup aimé, de Anna Hope, publié euh, chez Gallimard l'année dernière, je crois, qui s'appelle euh, euh, Nos espérances. Mmh. Et c'est une, une histoire entre quatre amis. Et pareil, là, ce qui compte vraiment dans ce roman, c'est les relations entre elles, comment ça évolue, leurs conflits, leurs brouilles, leurs disputes, etc. Moi, j'ai trouvé ça très beau, j'ai beaucoup aimé ce, ce roman-là. Voilà, telle est ma recommandation. Trop bien, merci. Merci. Et toi, Hilaria Et toi, Ilaria euh, Alors, pour les amoureux, les amants d'Elena de Ferrand, moi, je dirais que c'est important, ce serait intéressant de lire La Frantumaglia, qui a été aussi traduit en français, euh, toujours par, par Gallimard, il est édité par Gallimard, et qui, c est, c est vraiment, c'est une sorte de, de, de laboratoire d'écrivain où vous allez être surpris parce que vous allez retrouver beaucoup de scènes que Ferrante attribue à son enfance et qui font partie de ses romans. Donc, si vous voulez euh, vraiment comprendre cette idée euh, de l'auteur qui se construit à travers euh, sa propre narration, eh bien, il faut lire La Frantumaglia et à travers le prisme de La Frantumaglia, relire l'œuvre euh, entière de, de Ferrante. Vous allez comprendre qu'il y a plein de liens, des connexions secrètes et évidentes aussi. Et, et ça, c'est pour moi assez prodigieux, effectivement. Elle oh a bon bouclé, bouclé. D'accord. Euh, et ben merci, merci à vous deux pour ces recommandations, euh, et merci à toutes et à tous d'avoir suivi euh, ce live. Euh, alors la prochaine fois, on parlera donc de la cloche de détresse de Sylvia Plath, euh, parce que euh, c'est une histoire assez incroyable, euh, quasiment autobiographique, sur euh, une jeune poétesse euh, prometteuse. Qui remporte une, qui remporte, pardon, une bourse d'écriture pour travailler dans un très chic euh, magazine de mode et de littérature, euh, mais qui se rend compte qu'en réalité, l'avenir semble déjà tout tracé pour elle. On suit ses péripéties pour essayer de s'en sortir. Euh, ce livre, c'est un ultra best-seller aux États-Unis, où il est sorti dans les années 70. Euh, et on pense qu'il a clairement de quoi vous plaire. Euh, on peut même déjà vous montrer quelques images de l'analyse qui sortira dans 15 jours. Si je vous demande de me décrire l'Amérique des années 50, à quoi pensez-vous Peut-être aux diners, ou à la guerre froide Peut-être aux suburbs, ou bien à la lutte pour les droits civiques Personnellement, je pense au mari qui rentre du bureau en Cadillac pour être accueilli par sa femme bien maquillée en jupe corolle, laquelle sort avec des grosses assiettes de beefsteak, et tout ce beau monde s'installe pour dîner autour du nouveau miracle de la technologie, la télévision en noir et blanc. Aujourd'hui, on voudrait vous parler du roman formidable et étrange. D'une des poétesses américaines les plus connues du XXe siècle. À vrai dire, il s'agit d'une quasi-autobiographie qui raconte le désarroi d'avoir 20 ans en 1952. Une histoire de dépression et de rédemption. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de La cloche de détresse de Sylvia Plath. Quel drame <rire> <rire> euh... Non vous mais voilà, cette vous? vidéo, elle aura. Ah, pardon. C'est un livre formidable. Formidable. Oh. Trop bien. Bon, bah, trop hâte. Et donc, quoi, ouais, l'objectif de, ce, de cette vidéo, en fait, ça va être de vous accompagner, bah un peu comme à chaque fois, finalement, euh, de vous accompagner dans la lecture de la cloche de détresse, qui n'est pas un livre ultra facile à lire. Euh, et euh, cette vidéo, elle sortira le 2 décembre. Et puis, 15 jours plus tard, on sera à nouveau là pour en parler ensemble avec de nouvelles invités. Et ça, et ça sera le 16 décembre cette fois. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Oui, bah, vous souhaite, euh, on vous souhaite une, une très bonne soirée. Oui, merci d'avoir été avec nous euh, pour cette conversation qui nous a beaucoup beaucoup appris et, euh, et certainement à plein de gens et qui était très agréable à, à avoir avec vous. Euh, et puis on, on, on suivra attentivement ce que vous ferez l'une et l'autre euh, à la fois dans le domaine universitaire et celui du podcast. Euh, eh ben, merci et... beaucoup Piero et Redek, c'était vraiment très intéressant. Et Ilaria, vraiment, c'était incroyable toutes les analyses et tout, c'est passionnant. Ça te donne envie de relire le roman une troisième fois. Non, mais c'est moi que je me suis vraiment beaucoup amusée parce qu'on a, on a rarement l'occasion d'en parler euh, de manière si approfondie et ça a été vraiment un très plaisir pour moi. Trop bien, bah Trop partagé. Eh euh, ben à bientôt, alors et bonne soirée à, à vous et à toutes et à tous. Au revoir, bonne lecture. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.